Cette magnifique fresque est très jolie. Elle montre aussi l'image d'une personne qui est assez, je dirais même, un peu détruite. Parce qu'il faudrait reconstruire avec elle, faire avec elle et accompagner avec elle. Je trouve que ça embellit vachement le quartier, ça donne des couleurs au quartier. Au niveau des bâtiments, ben, exemple ici, on s'attarde pas sur les bâtiments, mais plutôt sur l'image en elle-même. Moi, quand je l'ai vue automatiquement, j'ai pensé à la femme. Parce que nous, notre combat sur ce territoire, c'est la place de la femme dans l'espace public. Et donc, de voir une femme là, sur un grand pan de mur qui est vu par tout le monde et qui est en short et t-shirt, pour nous, c'était plus que bien, quoi. Voilà. La nouvelle fresque, celle qui est en train d'être faite là, par l'artiste Snake, je l'aime beaucoup parce qu'en fait ça montre un personnage réel et il y a des messages incrustés aussi en forme de tatouage, voilà. Donc ça donne vie au quartier et c'est bien parce que quand on parle de Bellefontaine, eh bien, ça nous fait penser à ces fresques qui sont dans le quartier et franchement c'est bien.